Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du beurre de cacao. Comme j'en parlais déjà de certains produits lors de mes voyages, etc., j'ai décidé de faire des vidéos spécialement pour ça. Alors, le beurre de cacao, pourquoi ? Parce que bon, j'en avais déjà parlé durant mon voyage dans les pays chauds. L'huile de noix de coco était vraiment suffisante. Mais en arrivant ici, après quelques jours, j'ai remarqué que ma peau était vraiment sèche, abîmée. Et je suis vraiment sensible. Ma peau est vraiment sensible. Et je sentais que franchement, il y avait besoin d'une hydratation intense. Et à ce moment-là, le seul remède le plus efficace pour moi, c'est le beurre de cacao. Il y a d'autres possibilités, comme le beurre de karité, mais j'ai essayé. Pour moi, celui-là, c'est pour ça qu'il est très important d'essayer un petit peu tout, parce qu'en fonction de chaque individu, le résultat va être totalement différent. Mais pour moi, c'est le produit le mieux approprié, on va dire. Pourquoi ? Pour le rendu. De toute façon, j'ai senti tout de suite la différence. Quand j'ai commencé à l'utiliser, je l'utilisais déjà auparavant, hein. Mais sachant qu'est-ce que cela donne, je sais à quel moment qu'il faut prendre tel produit. Donc, je l'ai acheté sur Amazon, 100% naturel, 200 grammes. Pourquoi ? Parce que je sens que j'en aurai besoin. Tu peux utiliser pour la peau, mais également le corps, mais également pour le visage, pour les cheveux aussi, et pour les lèvres. Et les beurres de cacao sont riches en vitamines et minéraux, en micro-éléments, macro-éléments, qui sont essentiels pour les soins quotidiens à tout âge. Les meilleurs avantages pour les soins du visage, des cheveux et lèvres, idéal pour la beauté, la relaxation, le bain, le massage, le bien-être. Et bien évidemment, contrairement au beurre de karité, hein, ça, pour celles qui l'utilisent déjà, il n'y a pas photo, c'est l'odeur. Donc, s'il y a un choix à faire, en plus du fait qu'on l'applique facilement et que le rendu est superbe de mon côté, mais l'odeur, hein, pour celles qui me suivent ou ceux qui me suivent depuis un moment, ils savent également que j'adore le chocolat. Donc, peut-être que c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle, comment dirais-je, ma peau est aussi belle quand je l'utilise, parce que je suis également gourmande de chocolat. Mais bon, en tout cas, c'est ce que je préfère, et n'hésite pas à l'essayer si ça n'a pas été encore le cas. Tu verras la différence. Parce qu'il y a aussi des crèmes, mais des fois, le temps qu'on trouve une crème, des fois, la crème, on ne la retrouve pas partout, etc., etc. Je pense que le moins compliqué, on va dire, c'est utiliser ça. Tu le trouves sur le net, tu peux le trouver dans les magasins africains. Ici, en Martinique, c'est un petit peu plus facile, j'en trouvais un petit peu partout. Donc, voilà, si tu souhaites, si ta peau, elle est super sèche, surtout avec l'eau d'ici, par rapport à la température en ce moment, et que tu as besoin de l'hydrater beaucoup, voire même énormément, utilise du beurre de cacao. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.